one ever complained about the cold on Hoth. We never felt it. Even though we were blinded by blizzards, we could see the final end of the rebellion in our blaster sights. Was it only a mirage, perhaps? But on that day, on that planet, our blood ran hot with dreams of victory, melting the ice that stood in our way. Voilà, bonjour à tous, c'est Emmy, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière mission de notre playthrough sur... comment ça s'appelle ? Star Wars Battlefront 2, on va éradiquer la rébellion sur Hoth. Donc voilà, à la commande du fameux Walkers, qui sont quand même une arme vachement puissante et vachement sympathique à diriger. Alors c'est une mission qui est assez difficile, enfin je m'en souviens comme assez difficile en tout cas. Mais bon, ça fait un certain temps que j'ai pas fait le jeu bien sûr, parce que je l'avais sur PS2 au départ, je le rappelle. Mais voilà, c'est une mission qui est très sympathique. La carte, bon c'est la même il me semble que celle du premier opus encore une fois, de Battlefront 1, mais elle est vraiment très très bien. Du côté de l'Empire comme du côté des rebelles, puisque du côté de l'Empire vous avez... Ah, je vais pas réussir à l'avoir. Vous avez les Walkers, de l'autre côté vous pouvez contrôler les fameux Speeders des Neiges, qui sont vraiment très sympas à contrôler. Alors là je fais le ménage pour qu'on prenne le poste de commandement tout simplement, hein. Mais je préfère faire le ménage d'abord, assister mes coéquipiers, et puis je vais descendre juste après. Hop, on va détruire tout ce qui est tourelle, et puis on va y aller. Parce que sinon je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui sera foutu de prendre le poste. Et ça je vais pas de perdre quand même. Allez. Vous voyez pourtant il y a des gens autour et je pense que le poste ne se prend seulement quand le joueur est à proximité. Alors je sais pas si mon impression correspond à une réalité, mais c'est l'impression que j'ai en jouant au jeu. Et le barrage là, il est pas très... Voilà. Et maintenant, on va capturer le bunker de je sais pas quoi. La TAT, il y a personne qui le fait avancer, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'on va maintenant là-bas? Le problème de ces machins, c'est que c'est super lent. Ah, j'ai cru que j'allais réussir à avoir le speeder des neiges, mais apparemment non. Allez, on détruit du rebelle. Donc voilà, alors après ça, je sais pas si je recommencerai un walkthrough ou pas. Oula, le machin, je sais pas ce qu'il s'est mangé, mais il a fait un bond assez énorme. Enfin, si je recommencerai un walkthrough ou pas, parce que, non seulement il faudrait que je trouve un jeu qui soit assez sympathique pour le faire, et puis aussi assez court, parce que j'ai pas envie de m'embarquer dans un truc type Skyrim à faire 45 épisodes. C'est pas mon but. Mais après, pourquoi pas. Alors, j'avais pensé à BioShock 1 ou 2. Bon, j'ai déjà fait sur 360 il y a un moment, mais bon, éventuellement je peux les acquérir sur PC pour faire des vidéos dessus. Ça me donnera l'occasion d'y rejouer et puis de tester la version PC aussi. Je pense que ça doit plus être trop cher maintenant, à la fois sur Steam ou en achat sur Internet. On doit pouvoir se les procurer pour, je dirais, une quinzaine d'euros, je pense, si ce n'est pas moins. Donc ouais, ça me dit bien. Sinon, je sais pas, là je vais commencer, vous avez peut-être vu, j'ai commencé des vidéos sur Minecraft aussi. Mais bon, ça va pas occuper tout le reste de la chaîne, bien entendu, j'ai toujours plein d'autres idées. Mais voilà, en tout cas, Star Wars, ça va être fini, je pense que ça va être la fin de mon expérience. De ce playthrough, ça va marquer aussi la fin de mon expérience sur le jeu pour l'instant, parce que bon, c'est un bon jeu auquel j'ai apprécié rejouer,
Mais en même temps, bon, on peut pas dire. Il a assez mal vieilli en comparaison des FPS actuels, si vous voulez. Mais ça reste. Dans la licence Star Wars, ça reste un des meilleurs jeux, ça c'est sûr. Hop là. J'ai plus beaucoup de vie, moi. Et on a plus énormément de tickets non plus. J'espère que ça va bien se passer là-haut. Bon, a priori, il devrait pas trop y avoir de problème. C'est surtout la fin de la mission qui me semble. Qui est relativement difficile, il me semble. J'aurais bien aimé avoir un droïde qui me donne de la vie, mais apparemment, je n'aurais pas cette chance. Peut-être recharger, moi. Profiter d'être au calme. Voilà, c'est un FPS, je disais, qui est quand même très 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 arcade. Et bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas droit à un vrai FPS. Pas, enfin, truc type Battlefront 2. Battlefront, n'importe quoi. J'arrive plus à trouver mes mots là, je m'excuse. Mais Battlefield 3, quelque chose comme ça, sur Xbox, sur. Ah! Je vais y arriver, excusez-moi. Dans la licence Star Wars, parce que ce serait vraiment un plus et c'est vraiment un univers qui s'y prête. Il y a quand même pas mal de batailles. Même, je pense que gérer les Jedi et les héros, ça doit pas être trop difficile à faire dans un FPS plus classique. Mais là, c'est vraiment orienté très arcade. Bon, en même temps, c'est aussi le but de la licence de plaire à un public très large. Mais oula, je pense que mon vaisseau est en train de se faire encercler. Non, je me trompe? Il m'a semblé voir un câble passer. Et voilà. Ah, avec une. Ils vous ont quand même mis une petite image du film. La seule, je pense. Mais bon, pourquoi pas? Alors. Alors, on doit prendre le hangar. Bon, là, écoutez, par contre, je crois que je vais y aller à pied parce que sinon, on va y passer. Trois plombes avec la TAT là. Le problème c'est que j'ai plus tellement de vie. Ah, j'ai le fusil sniper de récompense en plus. Faut pas que je meure. Faut pas que je meure. J'ai ce super fusil qui fait des. Qui tire en rafale meurtrière. Y a pas de la vie quelque part? Allez, allez, allez. Bon, le problème de cette carte, c'est qu'elle est très longue. Enfin, très très grande. Voilà! Hop, vous voyez, une rafale, un mort. Ah, lui, il a lâché de la vie. Ah non, c'est de l'endurance. On s'en fout. Là, il y a un druide qui en donne de la vie. Je vais mettre là 2 minutes pour récupérer un peu ma vie. Et vous voyez qu'on a un timer. Et ça m'énerve. Enfin, vous l'avez compris, moi et les timers, c'est vraiment. Ah, et là, il y a vraiment du monde. Ah, et j'arrive pas à tirer. Vous voyez ce petit temps de latence entre la grenade et le. Et l'arme, c'est vraiment pas pratique. Et. Ah, et puis il y a des problèmes de collision encore. Ah là, ce fusil m'est vraiment utile. Hein. Le fusil de récompense, il est vraiment trop cheaté. Hop là. Allez, allez. Bon, je pense que là, niveau temps, on aura quand même le temps de finir la mission et de la gagner. Sans problème. Ah, est-ce qu'il y a comme objectif? Ah, on peut jouer Vador. Allez, on va dire que je vais le. Oh! Quel débile. Je suis pas réapparu au. J'ai pas choisi mon point de réapparition, du coup je vais perdre un temps précieux. Allez, surtout qu'avec le héros, ça se fait pas à la vie, mais au temps, vous le savez. Donc c'est du temps doublement précieux que je perds par ma bêtise. Non seulement le temps de la mission, mais aussi le temps que je pourrais passer. En incarnant le héros. Attendez, il est où le shield là qu'il faut désactiver? Ah, par là. Hop là. Ah, il est pas maniable.
Et ils sont là à côté de la commande, vous voyez, il n'y en a pas un qui détruit ce machin. Allez! Le back hangar. Et je pense que, alors, chose assez intéressante, c'est que dans la version campagne de la carte, je pense pas que vous ayez accès. Dans la version campagne. Dans la version jouable hors campagne plutôt de la carte, je ne pense pas que vous ayez accès à cette partie de la carte. Alors, on va faire. Voilà. Ah ouais, là, c'est carrément Power of the Dark Side, là. Hop là, je sais qu'on peut parer. Oui, c'est avec le clic de la molette. Et ça. Bouffe de l'endurance. Et ils sont nombreux quand même, hein. Alors le problème, vous voyez, Vador, il est vraiment pas pratique parce qu'il a une attaque spéciale de merde. Il est lent, il est pas maniable. On va utiliser le lancer de sable, plutôt ce sera beaucoup plus efficace. Ah, ça c'est les rebelles, l'IA qui tire par terre, le truc super utile. Ah, j'aurais bien aimé l'étrangler lui. Toi t'y passes. Ah voilà, deuxième image du film. Là ils s'y croient, ils se sont lâchés sur la dernière mission. Ça m'a un peu coupé dans mon action, mais bon. Alors. Alors, ouais, maintenant on doit mettre une bombe et défendre la bombe ensuite. Ah, je veux du temps là, j'ai besoin de temps supplémentaire là. Allez, il faut que je tue des gens. Et que j'arrête de me prendre des dégâts. Ah, il y a des tourelles de malades là, je me souviens. Hop. Je vais mourir. Ah, juste avec la bombe juste à côté. Dommage, dommage. En plus, je suppose que j'aurais pu mon... Ah, mais quel débile. Bon, désolé, mais là... faut vraiment que je réapparaisse au bon endroit, parce que... Sinon, je vais perdre trop de temps. Alors, on était là, plutôt. Voilà. Elle est où, la bombe? Allez, restez là-bas. Allez. Bon, là, ça va être dur. Vous voyez, là, c'est la fin de la mission qui est extrêmement difficile. Alors, j'espère que j'arriverai à vous la faire, parce que ça va tellement me saouler de recommencer. Allez. Bon, excusez-moi, j'ai été concentré pour abattre cette tourelle. Et maintenant, pour courir comme un dératé. Ah mince, la bombe, elle a été réinitialisée, ils ne m'ont pas dit. Oh, j'aime pas perdre du temps comme ça. Et vous voyez, je suis encore tout seul à courir. C'est à moi ça? Oui, c'est à nous. Ah, j'aurais bien aimé pouvoir garder Vador, parce que là, ça aurait été vraiment utile. Bon, dans son inutilité, c'est quand même un héros, quoi. Donc, il y a quand même des avantages à le contrôler, bien évidemment. Je suppose que j'ai plus mon super fusil, non. Allez, petite grenade, on saute par-dessus la tranchée, autre petite grenade. Ah, je vais pas réussir. Si. Oui. Wouah. Pour une minute. Ah, ça va être dur. Ça va être super dur. Parce que j'ai rushé comme un malade, mais... Les mecs, ils sont là aussi, donc... Non, ma bombe! Laisse ma bombe tranquille! Ah, je me suis fait péter aussi. Allez, 39 secondes. On y croit, on y croit, on y croit. Allez, là, ça vient à la chaîne. Non, pas les bombes. Ah! Ils vont la détruire. Ils vont la détruire, je le sens, ça va être affreux.
Laissez ma bombe tranquille! Laissez ma bombe 33, 2, 1. Oui, c'est bon. Ah, oh, voilà. Allez. Et là, on se replie pour regarder le spectacle. Ah bah non, même pas, mais on va la voir en cinématique. Et ben voilà la dernière mission de la dernière vidéo sur Star Wars Battlefront 2 aussi. Je pense pas que je referai d'autres parties. Ça m'étonnerait fortement. Et voilà. On a annihilé la rébellion une bonne fois pour toutes. On a gagné. Ah. Bon, alors je sais que je me suis beaucoup plaint pendant ce walkthrough sur le jeu, sur sa qualité, etc., etc. Et voilà. Order had finally returned to the galaxy, in no small part due to the efforts of the fighting men of the 501st. Voilà. Eh ben écoutez, voilà, ça c'est les derniers mots de sur Star Wars Battlefront 2. Alors quand je dis les derniers mots sur Star Wars Battlefront 2, c'est pas pour ça que j'arrêterai de faire des vidéos sur les séries de Star Wars. J'ai d'autres jeux. Je pense notamment à jouer sur Empire at Wars, qui est un des très bons jeux. En plus, bon, j'ai pas l'expansion, mais j'ai d'autres choses qui sont très sympathiques et qui rendent le jeu vraiment bien. Alors voilà, je me suis beaucoup plaint du jeu pendant ces vidéos, pendant cette dizaine d'heures avec vous. Bon, ça reste un très bon jeu, et à l'époque où il est sorti, c'est parce que là il a un peu vieilli, comparaison des productions actuelles au niveau du FPS, mais à l'époque où il était sorti, c'était vraiment un. Bon, alors suite à un crash du jeu, je vous reprends dans les crédits, puisque le jeu a planté sans explication, et je voulais quand même vous donner mes derniers mots sur le walkthrough. Donc je sais que je me suis beaucoup plaint des défauts divers du jeu qui sont réels, qui aujourd'hui nous frappent, mais c'est vrai qu'à sa sortie, c'était un très bon jeu. Et ça l'est toujours d'ailleurs, mais je pense qu'il faut vraiment être fan de la licence pour pouvoir s'en apercevoir et puis pour pouvoir apprécier le jeu à sa juste valeur, sachant aussi que c'est un jeu qui est sorti il y a un certain temps et qui reste quand même très agréable aujourd'hui. Donc voilà, sur ce, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, j'espère que ce walkthrough en tout cas vous aura plu. Il y en aura d'autres, certainement, sur d'autres jeux, des jeux peut-être plus récents, je vous l'ai dit. Je pense notamment à BioShock ou à BioShock 2, selon. Et puis, selon les prix aussi. Et puis, je choisirai entre l'un des deux, certainement. Ce sera le prochain projet de la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et à vous abonner à la chaîne si ce walkthrough vous a plu. Et puis, y a plein d'autres jeux et plein d'autres choses. J'espère vous retrouver très bientôt sur d'autres jeux. Voilà, à la prochaine. Salut !